Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor O, Ekaflip Feu, Sacrieur Air. On est contre Heliotrope, Ekaflip SRAM. Et c'est parti. On est sur relativement grande map. Ça peut être compliqué contre cette compo, mais ça me fait pas plus peur que ça. Bon, j'ai un éclair qui tape à distance. À voir si le SRAM se balade partout, cale des réseaux, ou si il vient un petit peu casser la distance. Ça va impacter un certain nombre de choses. Bon, c'est parti. On va venir prendre ça comme ça. Je vais venir prendre du téléfrag. Ce sera toujours ça de prix. Compte, flou. Maîtrise. Je vais me faire une fuite. Et je vais mettre une désynchro. Pour le plaisir de mettre une désynchro. Hop, qui ne sert absolument à rien. Ok, donc là il y a 25ème heure, nouveau sort du Xelor. C'est le premier colis que je fais avec. Donc ça reset certains cooldowns et ça augmente de 1 le nombre par tour de lancer de certains autres sorts. D'accord, donc on a eu heure grave, l'espère de colère de Yop en zone. Bon, on l'aura eu une semaine, c'est dommage. On n'aura pas eu le temps de beaucoup s'amuser avec. Ça n'a rien de synchro, hein, donc je découvre un peu, on verra ce que je choisirai ensuite. Ok, l'hélio qui se booste. Pas grand-chose de plus à signaler pour l'instant. Je crois que je me suis placé comme un débile parce que je vais pas pouvoir ne pas prendre le Xel dans l'odorat. Oui, je confirme que je suis un débile. Non, sauf si j'y vais comme ça en vrai. Hop. On va venir bonne étoile le sacri. On va mettre un chaton par là. Et j'ai pris des dégâts sur personne. Je vais me caler pour prendre le téléfrag de la fuite. Ok. Alors, il y a toujours les bugs d'affichage des esquives, du tacle, de la fuite. On me dit que c'est juste des bugs d'affichage. Moi, j'ai quand même un peu peur que ce soit aussi des bugs de prise en compte des réelles esquives et fuites et tacles et retrait du stuff. Bon, c'est compliqué. On joue dans ces conditions, on fait ce qu'on peut. C'est que ça peut quand même être relativement intéressant. Les cas, coussinets. Ok, ça va, c'est pas trop violent. Je vais venir me maîtrise. Mutilation. Je vais caler une épée là. Une perfusion comme ça. Et je vais rush avec le sacri. On n'a qu'une vie, hein. Hop. On joue pas à sacrieur pour ne pas rush. En vrai, je vais avancer avec l'épée aussi, je pense. Je vais caler là. On va peut-être faire des pivots de TP pour le Xel. Donc là l'idée, bon le problème c'est qu'il y a l'hélio qui joue après moi, je vais plutôt essayer de partir dans une optique de focus Ekaflip. Faut que je cale une cavotte ici. Et que je me mette sur le portail pour le cop et je peux caler un cadran. J'ai un peu fait de la merde, le sacré il est un peu trop loin en vrai. Bon c'est pas grave. Ok. Donc on va venir chercher la momif. Hop, la cavotte comme ça. Le cadran, du coup, comme ça. Hop, hop. On va venir faire ça comme ça. Et du coup, là. Ok, j'ai hésité à faire un truc à l'hélio, j'aurais dû, ça aurait été clairement mieux. Bon, petit mystère sur mon Xel, comme j'avais plus de PM pour aller chercher le retrait sur les cas, j'ai hésité à mettre un petit ralentissement à l'héliotrope, ça aurait été mille fois mieux. Je lui aurais cassé son ocre et son vulbis. C'était un énorme misplay que je viens de faire là, à ne pas mettre le petit ralentissement sur l'hélio. Bon, c'est un peu triste, c'est pas non plus dramatique, on va voir ce qu'il me met. Il a l'air de aussi lui d'hésiter sur son tour et peut-être de pas terminer, on va voir. Ok, bon, il part dans l'optique de taper le sacri. C'est à peu près gérable. Ça fait quand même. Je dis ça, mais j'ai presque plus de sacri en fait, MDR. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Salut, monsieur les Kaflip. Ok. Je vais le fracasse, non? Ça, c'est ce qui tape le plus. Ce serait bien que je puisse. Voilà, la petite tromperie feu. Une fois, deux fois.
La Flamiche qui finit. Peut-être un Tourien serait bien. Je touche le Sacri avec un Tourien. Non. En vrai, je vais venir Syngal. Ce sera toujours ça de prix. L'épée me troll un peu du coup. Je vais venir bloquer le portail, ce sera toujours ça. Ok, bon, on est sur un petit one shot. C'est la méta, hein, ça, je le déplore, hein, vraiment, je vous promets que ça m'amuse pas, mais c'est la méta du jeu. Ok, donc là, il y a une désynchro. Moi, je vais venir me pacte. Je vais venir... chercher Fulgu. Condensation. Encore, non ? On va y aller comme ça et je pense que je vais me pilori. Ok. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je m'expose parce que de toute façon, il y a le Xel qui va pouvoir mettre du retrait sur l'héliotrope. Normalement, du coup, là, j'ai un pilori non débuffable, donc je suis pas trop en danger de prendre un réseau du SRAM. Et l'hélio, je pense pas qu'il me finisse et j'ai un Eka qui va pouvoir soigner ensuite, donc ça devrait le faire. Bon, il y a eu un sacré nerf des sorts de mobilité du Sacri, mais bon, c'est mérité. J'aurais peut-être pu transpo, ouais, j'aurais peut-être dû transpo, me placer pour... Ouais, j'aurais pu faire transpo Fulmi, et puis le taper au cac, ça aurait été un poil mieux. Ça aurait été un peu plus malin, je reconnais volontiers. SRAM 3 PM ici, ok. Le Sacri avait pas pris le boost du cadran, donc ça, il faut pas que je l'oublie. Je peux faire, du coup, je peux tenter 25ème heure Momif pour remettre un peu les boosts sur tout le monde. Je pourrais éventuellement rapprocher mon Eka Flip également. On va voir comment je fais ça. Ok, ben merci. Ouais, tout ça pour ça. Alors, normalement, je suis pas taclé, on est d'accord. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre un cadran comme ça. Vas-y, on va pouvoir tester du coup 25ème heure. Donc là, normalement, je peux lancer direct ma momif. Juste pour le plaisir hein, de lancer le sort, le nouveau sort du coup. Ok. Alors, ça, c'est pas très gentil. C'est l'hélio qui joue. Bon, je vais le sablier pétrif. Alors il prend l'ivoire, du coup j'aurais dû faire dans l'autre sens les sorts, c'est un peu sad. Ah, je voulais bloquer le portail, je n'aurais pas ce luxe malheureusement. Alors on a un cadre un peu épileptique là, mais ok. Bon du coup il est en 6 PA. Voilà, j'avais vraiment fait l'erreur de lui laisser free son ocre vulbis au tour d'avant, c'était un gros misplay parce que je, voilà, le Xel a fini à 3 PA, il manquait le ralentissement. Là, encore un misplay, c'est j'aurais dû faire pétrif sablier au lieu de sablier pétrif pour optimiser les dégâts par rapport à son ivoire. Mais c'est un peu compliqué, je trouve, de suivre le compte des ivoires, sachant qu'en plus, là, il y a des variantes qui changent toutes les semaines, j'ai plein de trucs à prendre en compte. Il va falloir, ça, vraiment, que j'arrive à vraiment systématiquement optimiser mes tours par rapport aux ivoires, et pour l'instant, je trouve que c'est pas hyper propre. Ok, bon, le Xel prend une sauce, faut que je fasse gaffe quand même au potentiel portail. Après, je peux aussi juste full taper, pour le plaisir de full taper. Je crois que je vais juste full taper, ouais. Moi, j'aurais pu aller chercher le Rox à travers portail, mais... En fait, quand on a ça sous le nez... Je vais même tromperie, quand j'ai des tromperies feu. Je vais faire coussiner. Et je peux mettre une petite... En vrai, tout rien. Clairement mieux. Je vais rester là avec les cas. Ici c'est bien. Ok. Bon, il a ma stacle. Mais... Est-ce que si je soigne à travers portail, ça booste mon soin? On fait des expériences, hein. Ouais, non, je vais pas faire le con parce qu'il faut quand même que je soigne. Ça, c'est un peu pas de chance. Ce sont des choses qui arrivent, n'ayez pas peur, la situation est évidemment sous contrôle. Là, ça me redirige là, là, ça me redirige là. Ok. On va tranquillement aller chercher de la régène. Juste, là, on veut juste tanker, concrètement. Ok. Je peux sacrifier éventuellement une épée. Ça, on m'a fait la réflexion que je le faisais pas suffisamment, je suis assez d'accord. Mais il n'y a pas forcément besoin, je vais juste venir faire, si j'y arrive, une cabotte. Je vais me refaire ma multi quand même. Ah, je l'avais pas fait au tour d'avant. Oh, j'étais presque sûr de l'avoir fait au tour d'avant. Bah, du coup, j'avais encore du tankiness en rab. Je pensais l'avoir fait au tour d'avant, my bad du coup. Vas-y, on va essayer de trouver le SRAM. Il y a peut-être un SRAM qui se balade ici, ou ici peut-être. Non. Pas de SRAM. Oh bah j'étais pas loin. Ok. Bon, est-ce qu'il va me mettre un one shot? Le SRAM il va être content. Avec ses 29 esquives PA.
Là, pour l'instant, on fait un kill par tour, c'est assez propre. Enfin, c'est assez propre. C'est parce qu'ils ont reset les cotes. Hein. Normalement, je joue à plus haute cote que ça. Donc, normalement, mes combats étaient beaucoup moins free. Mais là, comme. Je sais pas. Des fois, ils font des changements énormes dans le jeu et ils laissent les cotes sans les changer. Et là, ils ont fait des changements que je qualifierais quand même de relativement mineurs par rapport à ce qu'on a pu voir à d'autres moments. Et ils ont laissé les cotes comme ça. Donc, ça, je comprends pas trop. Je vais venir, je pense. En vrai, je crois que je vais juste le full taper. Petit coup de camp de GG Rark. La Pétrif, elle est à 4. Je pense que pour Optimon Rox, je vais plutôt venir chercher ralentissement horloge. Je prends un peu de régène sur l'horloge du coup, c'est pas trop dégueu. Ok, le retour de tout ou rien. On va venir chercher Syngal. Encore. Par contre, ils ont vraiment zéro de tacle ces persos là? Ouais, zéro de tacle. Bon. GG à tous. Une fois, deux fois. La tromperie. Oh, non merci. C'est toujours bugué la poussée là. Ah, ça a l'air de se comporter un peu plus normalement qu'auparavant, la poussée du coussinet. Alors, est-ce que c'est corrigé? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais. Là, je peux gagner 1, 2, 3. Non, il va me manquer un peu. Alors. Oh, mais je sais ce que je peux faire. Je peux faire tac. Projection. Évidemment, ça régale. Puni, prend combien? Ça me surprend toujours que je tape aussi peu à la punition. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas un souci. De prévisu, 476 max là. Ouais, ça tape un peu plus fort que la prévisu. C'est assez chiant. Donc, bon, on va dire un petit GG. Bon, c'était le premier colis sur la mage 2. Enfin, la version, on va dire 2.59 plus une semaine de debug, alors avec encore plus de bugs. Je sais plus comment faut appeler les versions maintenant du jeu. Ok, cristal, le sacré qui passe diamant. Ah, tiens, ça m'a mis une cote directe par contre. Normalement, faut 10 combats. Bon, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu avec les cotes, mais ok. Bon, j'étais à peu près à 4500 avant. Bon, on va remonter tranquillement. Du coup, il va y avoir quelques colis un peu moins intéressants à cause des cotes reset. Hein, j'y peux rien. Voilà. Écoutez, fin de ce petit colis, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.